Dans un décor de château en carton, les discours et les poignées de main s'enchaînent. Samedi, près de 160 étudiants de DUT de l'IUT de Moselle-Est ont assisté à leur remise de diplôme dans la salle de spectacle de l'hôtel de ville de Sarreguemines. La cérémonie s'est faite en présence du maire et d'élus de la ville, de leurs parents, de leurs parrains entrepreneurs et des sponsors. En tout, ils étaient plus de 400 pour applaudir les derniers diplômés de DUT. Cette remise de diplôme a un certain goût. Elle marque la fin du DUT, qui est devenu un bachelor universitaire de technologie. Oui, elle a une saveur particulière parce que c'est la fin d'un ancien diplôme, mais c'est surtout une opportunité, à la demande du ministère, d'avoir créé ce nouveau diplôme qui est plus en phase avec les besoins socio-économiques des territoires, avec une offre de formation qui propose des stages, des aspects très pratiques, dès même la première année. Donc ça veut dire 3 années de présence au sein de l'établissement. Ça veut dire aussi un esprit d'appartenance beaucoup plus important. La remise de diplôme de la promotion 2022 a été organisée par 8 étudiants de licence professionnelle management des organisations. Ils se sont occupés de la recherche des sponsors et du mailing. Les organisateurs ont senti un poids sur leurs épaules puisqu'il fallait marquer le coup. C'est une remise qui doit marquer, comme c'est la dernière remise des DUT de l'IUT de Moselle-Est. Avec la nouvelle réforme, ça devient du coup un bachelor et un diplôme qui se fera en 3 ans. Donc oui, c'est sûr qu'on avait beaucoup à jouer sur cette cérémonie-là. Ouais. L'organisation de la cérémonie fait partie d'un projet noté qui participera à la note professionnelle de leur licence.